C'est une nouvelle de dernière heure ce matin. La Russie qui a visé plusieurs villes ukrainiennes dans les dernières heures. Au moins 28 personnes ont perdu la vie dans cette attaque massive de missiles. C'est un bilan provisoire. Il y a un hôpital pour enfants de Kiev qui a aussi été touché. Alors, pour voir ce qui se passe sur place, je retrouve à Kiev le journaliste Stéphane Sioan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directement sur le site de l'hôpital. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de constater? Décrivez-nous là, la situation autour de vous. Alors, je viens de sortir il y a quelques minutes de l'enceinte de l'hôpital Hormadit, le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine spécialisé dans le traitement des cancers. Et tout autour de moi, hein, pendant deux heures, j'ai vu des scènes de chaos. C'est un hôpital où il y a plusieurs bâtiments, donc une grande enceinte. Plusieurs ont été touchés et notamment un pavillon central qui a été littéralement éventré par un missile et autour duquel il y a encore une foule de secouristes en train de s'affairer pour dégager les décombres et rechercher d'éventuelles victimes. Pour ma part, j'ai pu voir au moins un cadavre sorti des décombres, un adulte qui est un bilan qui reste encore très très provisoire. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, annonce pour le moment deux morts, mais il y avait à cette heure ce matin, vers 10h30, beaucoup d'enfants, de parents, de personnels médicaux sur le site. Donc on ne connaît pas encore le nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées durant cette frappe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une frappe volontaire de la part de la Russie parce que les personnels médicaux et les parents d'enfants hospitalisés avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont dit que d'abord, un premier missile a frappé sur le site de l'hôpital. Tout le monde est descendu aux abris et ensuite, il y a eu au moins 3 impacts sur la zone de l'hôpital. Donc il s'agit bel et bien d'une frappe délibérée de la part de l'armée russe qui savait très bien que cet hôpital était là puisqu'il existe depuis le 19e siècle. Et vous le disiez, c'est le plus grand hôpital d'Ukraine, des enfants qui sont sur place, les lieux qui étaient bondés, dites-moi, au moment où cette frappe est survenue? Oui, tout à fait. Il faut s'imaginer, en fait, ce paysage apocalyptique. Il y avait des centaines de secouristes qui étaient en train de dégager les ruines pour essayer de trouver éventuellement des survivants. Et dans certaines allées de l'hôpital, entre des vieux bâtiments, on avait sorti les enfants. Alors, imaginez des enfants atteints de cancer. Certains n'avaient plus de cheveux. Il y avait également beaucoup d'enfants qui étaient encore rattachés à des machines respiratoires qui étaient dans des phases assez terminales de leur cancer et ils étaient avec le personnel dans les allées de l'hôpital. J'ai vu des enfants qui ont été blessés avec des traces d'éclats de verre, donc des coupures au niveau du visage. Beaucoup de calme, mais néanmoins dans les regards des parents et des enfants, on voyait qu'ils avaient l'impression d'être passés à côté d'une grande catastrophe. Oui, extrêmement difficile, vraiment, les images qui nous parviennent ce matin. Et c'est une attaque, Stéphane, qui survient la veille de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington pour le sommet de l'OTAN. C'est pas un hasard? Alors, on ne connaît pas encore la logique de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs frappes de missiles sur Kiev aujourd'hui. Lorsque je me rendais en voiture dans le centre de Kiev vers 10h ce matin, j'ai pu observer au-delà du fleuve Dniepr, sur les hauteurs de la ville, 5 colonnes de fumée. Ça veut dire qu'il y a au moins 5 missiles qui sont tombés sur le centre de la ville. On sait d'ores et déjà qu'une usine d'aéronautique a été touchée dans les faubourgs de Kiev, mais il y a également, 2 heures après la première frappe, un autre établissement médical qui a été touché, une maternité, où il semble qu'il y ait eu 4 morts. Donc là, on attend encore des informations plus précises. On ne sait pas si c'est un missile qui a été intercepté dans le ciel, qui serait tombé sur cet établissement, mais ça fait quand même 2 établissements médicaux touché. Est-ce que c'est un signal qui est envoyé par la Russie à la veille de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Washington? On ne peut pas encore le dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la première fois que la ville de Kiev est frappée de cette manière dans son centre-ville depuis à peu près 4 mois. Il n'y a pas eu de frappe pareille depuis cet hiver. C'était les autres frappes en Ukraine se concentraient plutôt sur les villes de Kharkiv ou de Dnipro. Mais en tout cas, c'est un signal très très fort qui est envoyé à l'Ukraine à la veille du sommet de l'OTAN.
Alors, pour l'instant, je le mentionnais d'entrée de jeu, on a un bilan provisoire. Il y a des recherches là, qui se mettent en marche pour tenter, on l'espère, de retrouver des survivants. Je le rappelle aux gens, donc, il y a un hôpital qui a été touché, un hôpital pour enfants à Kiev. Et donc, vous êtes sur le site, vous nous avez donné les plus récents détails. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Stéphane Sion, ce matin. Merci, à bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.